conquer. Story. Part 1. Mortal Kombat 11. Chapter 7. Coming of Age. Shad, Liu Kang, Kung Lao, arrêtez! Parlez, vous avez mon oreille. Shao Kahn monte les peuples de l'outre-monde les uns contre les autres depuis toujours. Et pourquoi? Pour qu'ils aient l'honneur de mourir à la guerre? Nous devons nous battre tous ensemble, Baraka. Bleh, la bagarre! Kotal veut notre mort. C'est ce qu'il m'a dit droit dans les yeux. Et je veillerai à ce qu'il vous assoie à sa table. Que préférez-vous, Baraka? Être l'esclave de Shao Kahn ou l'allié de confiance de Kotal Kahn? J'ai fait une telle offre au Tarkatan. Mais ce sont vos paroles et non les siennes. Aidez-moi à sauver Kotal Kahn. Nous lui demanderons ensemble. S'il rechigne, je lui tranche la gorge. Si d'aventure il rechigne, Baraka, je vous aiderai. Vous avez trop souffert sous le joug de cet imposteur. Mais je suis de retour pour vous libérer de ce forcené. Moi seul peux rebâtir cet empire. Tous les royaumes trembleront à mes pieds. L'outre-monde est une terre de conquérants et non d'opprimés. C'est nous les méchants. D'où te vient cette soudaine vigueur, Kitana? Si je l'avais su avant, je n'aurais besoin de Milena. Ma sœur était un monstre abominable. Exactement comme vous, père. Aïe à la pute. Je vais te corriger, moi. Tu craches sur les privilèges qui t'entourent. Qui es-tu pour me juger? Tu n'as jamais connu le froid ni la faim. Autrement, tu chérirais tout ce que Shao Kahn daigne t'offrir. Fight.
Et mange-moi ça. Sale cafard. Heureux de respirer. La vengeance du serpent à plumes. Rendez-vous ou payez-en les. Oh non, pas elle. Me rendre aux portes de la victoire. Tu es aussi candide que Jérôme. Le roi Jérôme, mon père que vous avez tué avant de m'enlever. Je voulais la femme de Jérôme, pas son héritière. Je ne t'ai gardé que pour apaiser ta. N'attend aucune clémence de ma part. Fight. Je vais
Je n'hériterai pas de votre cruauté. Bien sûr que oui. Tu sens quelque chose ? Shao Kahn, maestro pied. Laissé sans défense. Tu ne risques rien à mes côtés. Est-ce que tu m'accepterais ? Est-ce qu'on s'en bat les couilles ? Même avec mon cœur endurci. Je connais ton cœur. Il peut changer. Il n'y a pas que mon cœur qui est endurci, bébé. C'est fini, Kotal Kahn. Le trône est sauvé. Merci. La bagarre. Shiva, je n'ai pas été clément avec vos peuples. Pourtant, j'ai reçu votre aide. Et je jure que je m'en souviendrai. On se partagera le règne de l'outre-monde. C'est elle qui en décidera. Quoi ? Le trône vous revient. Vous avez unifié l'outre-monde, Kitana Kahn. Cette officielle, elle est trop bien pour toi. Un honneur, Kotal. À compter de ce jour, puissent tous nos peuples livrer bataille comme un seul. Les nouvelles de l'outre-monde sont encourageantes, mais l'emplacement du fort de Kronika demeure un mystère. Il est hors des royaumes et par conséquent échappe à ma vision. Raiden, connaissez-vous Karon? MDR, c'est votre PD. Karon. Bien sûr. Qui est Karon ? Le maître de l'ancien vaisseau des morts. Sub-Zero et moi l'avons croisé quand nous étions revenants. Il voyage dans l'espace. Salut, c'est moi Raiden. Et transporte les âmes damnées jusqu'au Nether. Si le fort se trouve là-bas, Karon en connaît l'emplacement. Nous aiderait-il ? Probablement, mais je n'en suis pas sûr. Renseignez-vous de toute urgence. Nous partons immédiatement. C'est super que l'outre-monde soit des nôtres. Mais... Raiden a ta fiole. Plus d'hommes. Les Shaolin se joindront à nous. Yu Kang et Kung Lao sont en route pour aider les moines à se préparer. Bien. Alors je pars à la recherche de Johnny et Sonia. Je viens aussi. On sera trois. Non. Raiden vous envoie en repérage. Il faut qu'on récupère Sonia. Oui, c'est vrai. Mais par ses agissements, Kronika nous laisse entrer. Et on y va, Kaze. Sa puissance a des limites. Sinon, pourquoi voudrait-elle accaparer le ginseng ? Peut-être qu'elle essaie d'approvisionner des forces ? C'est tout à fait plausible. Qu'est-ce qu'elle compte faire ? La fontaine dans la grotte du dragon est fermée. Mais... Le puits des âmes est désormais la plus grande source de ginseng du royaume Terre, sous l'île de Shang Tsung. On ferait bien de foncer là-bas. Navré de ne pas pouvoir en être. Je dois continuer à guetter les anomalies temporelles de Kronika. Chacun son boulot. On m'a dit que vous êtes un Shinnok. Vous battrez les serviteurs de Kenno. Mais faites preuve de prudence. Si Johnny ou Sonia perdent la vie, vous cesserez d'exister. Je n'aurai pas le pouvoir de vous ramener. Terrible cinématique, oh. Trop bien. Les combats à la loyale c'est rasoir. Ah ouais, c'est la merde. C'est rasoir. Enfoiré. C'est donc Sonia la garce qui va me brûler. Elle va beaucoup plus que te brûler.
Elle va bien se défouler sur toi. Électricité, charcutage en règle. Je t'ai rafistolé à moi tout seul. Enfin... Moi, je suis un fort la bise, bébé. Je vais la crever. Cette maîtresse d'école est sadique à ce point-là. Non. Et maintenant, il est à bloc. J'ai un œil en fer, bébé. Bébé, je sais parler aux femmes. Raconte, Cabal. Toi, ferme-la, tu vas me torturer pour miner le dragon noir. Fight. Toi, ferme-la, tu vas me torturer pour miner le dragon noir. Fight!
faut pas prendre les rumeurs aux... Alors, c'est qui la poufiasse? Tous avec votre cirque. Ramenez-vous, bande de lâches. Pile à l'eau. Mais attends de voir le prochain candidat. C'est du lourd. Putain, il tient même pas debout, les gars. Faites un effort. Il va glisser, suisse. Sinon, on bute. Arrête tes conneries. Tu nous buteras de toute façon, qu'on se batte ou pas. Ah, pas faux, trésor. Mais sois divertissante, hein. Ce sera moins douloureux. Allez. Je sais que tu meurs d'envie de me frapper. Profites-en. Et je leur donnerai le plaisir de nous regarder combattre. Qu'ils crèvent. Tu l'as dit. Ils nous buteront, qu'on se batte ou pas. On peut gagner du temps pour trouver une issue. Alors, arrête de faire ta diva et colle-moi. Oh oui, frappe-moi, bébé. Frappe-moi en allemand, bébé. Encore, bébé, c'est tout. C'est Zoro. Un cavalier qui surgit de la nuit. Au galop, Zoro, Zoro. Ah, quel immense plaisir. Liquider la... Je vais me le faire, ce fils de... À l'amende, Zoro, à l'amende. Appelle Sergent Garcia.
Y'a rien pour toi. On doit se frayer un chemin jusqu'au point de ralliement. Emporte ça. Ta gueule. Prends la bise. Je suis turc que je viens d'Istanbul. Jamais fait d'implant. Tu sais pourquoi j'adore ce futur ? Je suis en vie. Et toi, tu t'es fait trucider. Un pour une femme. Ça aurait dû être... On est des villes. On se fait une séance de rattrapage. Qu'est-ce que vous dites? Dans ce futur, mais ça peut changer. Fight. Alors, tu te rends? Écoute, j'ai pas bougé. Tu l'aimes le genou de maman? Oh, ça se complique un max. Alors, tu peux lui briser le cou avant que j'égorge le beau gosse? N'oublie pas, c'est deux pour le prix d'un. S'il crève, ta gamine crèvera aussi. Et toi, tu seras une pute. Merci quoi? De m'avoir rappelé quand ça marche. Énorme. Obligé, je repompe ça pour Time Quake. Je perds envie de ma vie. Ça te dirait qu'on dîne un soir pour te remercier de m'avoir sauvé et m'excuser d'avoir été moi.
Pas de pression. Pas de flirt. C'est bien la patience, Cage. Non ! Non ! C'est quoi, ça ? Le tranquille, il est chauve. Je suis pas chauve. C'est mon crâne, enfoiré. Méchant mystère. Geras, sbire de Kronika. On peut pas le tuer, à ce qui paraît. J'ai affronté un mec comme ça dans Fatal Infinity. Faites-le évacuer. Je vais m'occuper de cette horreur. Sonya Blade, mère de Cassie Cage. Ouais, et alors ? Cassie Cage a vaincu Shinnok, fils de Kronika. Je suis la vengeance de sa mère. Fight. Va la niquer sa mère enculée. Là. Bonne chance pour revenir, mon grand. Tu n'as rien? Ça ira. J'ai une nature robuste. Écoute, ce que je t'ai dit à la base pour la mission, c'était pas juste. T'es un soldat incroyable. Je suis tellement fière, je pourrais presque m'imaginer avec Johnny. Presque. Je voudrais tout annuler. Recommencer notre mission. Ça n'a pas été facile d'apprendre comment je suis morte, ou comment je pourrais être morte. Mais j'ai bien relu le fichier. T'as suivi les ordres. Sauvé ton escouade. Je suis contente que mon sacrifice ait sauvé le Royaume Terre. Et toi ? Et puis, comme dit Raiden, on ne revient jamais au point de vue. Putain, il va te raser la moustache, son œil. C'est pas sérieux. On doit choisir notre destinée. Liu Kang et Kung Lao ne blaguaient pas pour ce type. À toutes les escouades ! Repli ! Évacuez ! Il a échoué. À son retour, je le rendrai encore plus fort pour le combat final.
Exprime-toi. On a perdu Shao Kahn, l'armée de l'Outre-Monde, et maintenant, le Dragon Noir. Pendant que les alliés de Raiden perdaient un temps précieux contre Kenno et Shao Kahn, nous avons pu poursuivre notre grand projet, sans le moindre encombre, sur l'île de Shang Tsung. Cette île est un champ de ruines. Qu'est-ce qui pourrait bien... Modeler le temps requiert énormément d'énergie temporelle brute. Chaque âme de mortel... Va te raser le crâne, pas belle. ...en abondance. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde vécue y est contenue. Shang Tsung se nourrissait d'âmes. Il les collectionnait. Dans son puits des âmes, qui repose, sous l'île, parfaitement intacte. Une destinée que j'ai élaborée pour Shang Tsung, au cas où j'en aurais besoin. Bientôt, toutes ces âmes seront à moi. Ça donne quoi ? Rien, il n'y a aucun signe de la barrière mystique dont tu parles. Ah, tu la reconnaîtras, t'inquiète. Comment tu te sens ? Pour la première fois depuis longtemps, je me sens apte. Je me suis retrouvé plongé dans des abysses remplis de dieux et de monstres. Mais... Et j'ai été réformé P4. J'ai l'impression de pouvoir respirer enfin. Ces choses terribles qui me sont arrivées, enfin, qui peuvent m'arriver... Comme l'a dit Raiden, ce sera différent. C'est pas une bonne nouvelle ? Tout ce que mon père a traversé, ces choses qui l'ont traumatisé, c'est pour ça que mes parents se connaissent. Il est vachement propre, hein, graphiquement. Si ça ne se produit pas, tu rencontres pas maman. Je pourrais ne pas naître. Jackie, je vais pas faire comme si je pigeais tout ce bazar cosmique. Mais je sais que c'est là, comme Jackie. T'es pas un truc venu de nulle part. Les techniques de Jackie. Ouais, l'échelle de Michel et Jackie. C'est nous les bateaux pirates. On va monter, on va faire caca sur ton bateau. Parce qu'on est défend la bise. Pirate font la bise. Attention, gnagnagna. Ça sent la merde. Oh, ouais. Je confirme, ça sent la merde. Belle chaussette en tout cas.
moment du tournoi, il y avait des gens partout. Ces types avaient l'air vachement plus jeunes. La magie du bain. Comme si c'était hier. Je suppose que quand Shang Tsung est mort, cet endroit aussi. Ah. Personne. Mais bon. Bonjour la furtivité. On aurait pu venir en groupe. J'espère presque que Raiden se soit trompé pour le puits. Je veux pas rester ici plus longtemps. Contact multiple. Combien ? Deux. Mais il y en a un qui tourne drôlement vite. Putain, c'est Flash Gordon. Chronica savait que Raiden enverrait du monde ici. Rappelez-la. Laisse-moi 10 secondes avec ce type. Jazz Briggs, on a fait équipe sous le commandement de Quan Chi. Tu reviendras à moi. Tu te trompes de Jax. J'ai jamais été revenu. Et je ne serai jamais. Fight. Dans le droit de gauche. Chut, chut, chut. Laissez tranquille le puits des âmes. Va glisser, oui. Qui n'est pas aussi fort que tu le crois, Jax. Cette pute. Un souvenir, Sinel n'a fait qu'une bouchée de toi. Je prends la nana en verre. Tu savais pour qui. Tiens, moi aussi je veux casser du zombie. Oh. Quan Chi et Chronica, tu dois être paumé. J'ai rejoint Raiden contre Shao Kahn. Il m'a mené à ma perte. Et maintenant c'est toi que Raiden envoie. Salope. Fight. Thank you.
Je vais tenter le coup avec Raiden. On a assez fait, Mumuz. Raiden dit que le puits des âmes est dans les sous-sols. Par là. C'est l'antre de Goro ? Mais sans Goro, heureusement. Shang Tsung m'a emprisonné là-dedans pour mon premier tournoi. J'aurais jamais cru revenir. Tu sais où on peut trouver un puits des âmes ? Aucune idée. J'étais pas en forme. C'est tout flou, dans ma tête. J'ai nul, les bras en croix. Cette couronne, je te parie que c'est à Kronika. Elle draine les âmes qui sont en puits. C'est forcément protégé. On la chope et on se tire avant que son gardien ne revienne. Je ne suis jamais parti. Sub-Zero. Scorpion lui a arraché les vertèbres. Il les a jetés là-haut, dans la vieille salle du trône de Shang Tsung. Puis il les a mangés en salade. Le nouvel âge effacera définitivement. Attends, Jackie. Je m'en occupe. Tes bras, mais ne t'a pas achevé. Exactement. Faut dire que je suis balèze. Fight! N'était pas le seul faible en fin de compte. Allez, on prend ce truc et on met les voiles.
truc de ouf. Papa ? Comment t'es arrivé là ? Je te laisse deviner. Papa, tes bras ! Ça ressemble au style de Kronika. Qu'est-ce que tu fais ? Je te donne la vie que tu mérites. En détruisant l'univers ? Pas en le détruisant, en le redémarrant. Quand j'étais revenant, j'ai perdu tant d'années. J'ai fait des choses. Ta mère m'a empêché de sombrer. Mais j'étais pas un père à la hauteur. Tu dis n'importe quoi, mon gars. Je suis ta mère. J'ai une fille super. Un soldat de premier ordre. Elle n'aurait jamais dû être soldat. J'ai jamais voulu que tu prennes des risques sur le champ de bataille. Si je ne m'étais pas effondré, tu n'aurais jamais cherché à t'enrôler. Je fais pas ça pour cette raison, papa. S'il te plaît, donne-moi cette couronne. Je ne veux de mal à personne. Sérieusement, ça devient malsain. Attends, petite. Moi, j'aurais pas envie de combattre mon père. Tu penses pas que je dois régler ça avec mon moi du futur ? J'aurais jamais cru tomber si bas. T'as pas idée de tout ce qui t'attend ? Perdre tes bras, c'est qu'une première étape. Je sais que t'as souffert. C'est pas fini. Mais on trahit pas son unité. Et on trahit encore moins sa famille. Fight. Et nique ton père. Il doit y avoir un moyen d'arranger ça. K.O., mais il s'en remettra. Ça va, toi ? Je plane. Pareil. On peut pas le laisser. On récupère la couronne et on l'embarque. Si je remets jamais les pieds ici, ben ça me manquera pas. Ça, tu l'as dit. Habillé comme un travelo, le temps. Mortel ! Restituez-nous la couronne de Kronika et le vieux Jackson Briggs. Aucun mal ne vous sera fait. Sûrement pas. On sait que tu as trahi les dieux anciens, Cetrio. Kronika doit rétablir l'équilibre que Raiden a anéanti. Vous ne voyez donc pas le mal immense qu'il a provoqué. Au moins, lui, c'est un mal qu'on connaît. Tu peux battre une déesse ancienne ? Cassie a vaincu Shinnok. Seulement parce que les Cage naissent avec des pouvoirs magiques de taré. On est peut-être magiques, nous aussi. Abandonnez. Oui, le muge. Résister ne vous vaudra que de la souffrance. Je peux pas te laisser faire. Essaie pas de négocier. Ton esprit est trop faible pour manier l'arme de Kronika. Pour ta sécurité, retire-la. Je ne cherche pas la sécurité. Toi, tu vas prendre cher. Fight. Oh,
Paige, tu vas être verte. Couchez la chienne. Je vous avais prévenu, de simples mortels ne peuvent pas contrôler la couronne. Je ne voulais pas vous faire de mal, mais puisque vous me forcez la main... Donnez-moi la couronne, et je l'épargnerai. Non ! Non ! Ne la lui donne pas ! Va-t'en ! Sa vie est entre tes mains. Personne ne veut faire du mal à qui que ce soit. Je t'en prie. Fais-le pour le bien de la petite. Fais chier ! Papa, comment t'as pu me faire ça? Je ne l'ai pas fait contre toi, Jackie. Je l'ai fait pour toi. Je t'aime. Chronica attend notre retour. J'ai mon chat qui veut sortir, je vais faire une pause. Allez, c'est pas encore joué. Voici la clé de notre délivrance. Merci. À vous deux. Tu as l'air tracassé, Jackson Briggs. Je n'ai pas l'habitude de voir autant de visages amicaux. Nous sommes des alliés inattendus, réunis par une cause commune. Rassure-toi. Liu Kang, Kitana, les armées sont-elles prêtes? Elles sont en route. Kitana et moi veillerons à ce qu'elle n'ait pas de retard. Excellent. Une avalanche d'âmes, du temps à fond. Force se décuple. Le nouvel âge n'a jamais été si proche. Le rapport de Jacqueline Briggs. Les actions de son père ont gravement compromis notre situation. Je sais, j'arrive pas à y croire. Même si on localise son fort, Chronica détient maintenant une puissance supérieure à nos forces combinées. Il faut vraiment faire une croix sur l'amulette de Shinnok. En effet, Cassandra Cage. J'ai vu ce que tu pouvais faire avec. Tu as repoussé l'armée du royaume du Nether. Tu n'étais même pas au maximum. Je n'ose pas me confronter aux tentations de sa magie noire. Pourtant, je la sens qui m'appelle. Chronica a beau avoir l'avantage. Il faudra frapper dès que nous connaîtrons l'emplacement du fort. Ça fait des heures qu'on est sans nouvelles des grands maîtres. Que fait-on s'ils ne reviennent pas? Ils le doivent, ou nous n'aurons plus d'espoir.
se rendre au fort de Kronika. Je suis d'accord, mais elle ne prend pas la flotte de Caron. Ce pont lui coûte vraiment de l'énergie. Elle est liée à Caron. Elle ne navigue que sur ses ordres. Donc j'en conclus qu'il refuse de conduire Kronika. Et dans ce cas, il pourrait nous aider. On dirait que Caron est là. Peut-être avec des invités indésirables. Retourne sur Terre. Dis aux autres qu'on l'a trouvé. On se déploiera dès mon retour. Tu es certain que Caron va nous aider? Non, mais c'est notre meilleure option. Aider Kronika, Caron. Maintenant, prépare-toi à souffrir. Je suis immortel, Déborah. Tu ne peux pas me tuer. Celle-ci veille juste à te rendre inapte, à emmener les ennemis de Kronika. D'abord, Shinnok. Puis Kronika, tu te bats pour des causes perdues. Celle-ci assure la survie de la ruche. Tu ne sauveras pas les Shira et Ryu. Fight!
Shira et Ryu ne failliront pas. Pourtant, ton clan d'imposteurs tombera. J'ai rétabli les Shira et Ryu. J'ai bâti un clan plus fort que jamais. Sur une fondation de parvenus et d'hypocrites, Kronika m'a raconté. Nos lignées d'origine, il n'y a pas de Shira et Ryu. Le massacre du clan les a éteints. Kronika ramènera les vrais Shira et Ryu dans le Nouvel Âge. N'écoute pas, Kronika. Elle exploite ta colère pour t'asservir. Comme Quan Chi avec nous deux. Et c'est une pute. Ma rage, et ça m'a sauvé. Pour ton salut, tu dois faire de même. Fight. Satoshi m'ont été arrachés. Assassinés. Les revoir un jour, c'est tout ce qui compte. Je partage ta douleur. J'ai connu l'enfer pour la vaincre. Mais le nouvel âge de Kronika n'est pas la solution. Elle ressusciterait Shinnok, le même démon qui a fauché notre famille et notre clan. On ne peut pas le laisser revenir. Quand j'ai rétabli les Shira et Ryu, j'ai promis que notre clan veillerait sur le royaume Terre. Aide-moi à tenir promesse. Du poison. C'est Maeva. Les péchés te troubleraient. Celle-ci met fin à tes souffrances. Maintenant, meurs. Putain, on va jouer tube. Enfin, scorpion. Raiden est au jardin de feu. Karon doit nous rejoindre. Conduis l'armée de Raiden jusqu'au fort. Il le faut. Tu as ma parole. Les nouveaux Shira et Ryu sont valeureux. C'est le cœur et non le sang qui en fait des guerriers.
Les maîtres Shaolin, ils sont prêts? Ils combattront jusqu'au dernier. Ça risque d'arriver, en effet. Il n'y aura pas de combat si Caron ne nous vient pas en aide. A-t-on des nouvelles du grand maître Azashi? Non. Si on n'en a pas bientôt, je retourne au royaume du Nether. Le mauvais scorpion. Ça ne me dit rien qui vaille. Appelle Raiden. Les jardins de feu. Reconstruits. Les Shira et Ryu ont bien été rétablis. Qu'est-ce que tu fais là, scorpion? Où est le grand maître Azashi? Il est mort. Et à présent, tu viens nous achever. Je comprends ta méprise, mais je suis là pour vous aider. Tu n'as aucune chance de me convaincre. Fight. Envoie, Scorpion. Mon futur moi est mort. Je viens ici à sa demande. Le grand maître Azashi t'envoie? J'honore sa dernière volonté. Caron vous transportera jusqu'à l'île de Kronika. Nous devons faire vite. Avez-vous une preuve de l'offre de Caron? Seulement ma parole. Votre parole ne vaut rien. Au tournoi, vous étiez censé parmi Ebian. Et vous m'avez trahi. Une erreur due à ma rage. Je cherche la rédemption. Mensonge, scorpion! Vous êtes un pantin, un esclave de Kronika. Fight! Éliminer. Réservez vos fables à quelqu'un d'autre.
Kronika ne nous piégera pas. Ce n'est pas un piège. Karon vous attend dans le Nether. Raiden, on devrait l'écouter. Peut-être qu'il dit vrai. Il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. La vérité, Scorpion. Maintenant. Raiden, arrêtez! Ne t'approche pas, Liu Kang. Lâchez l'amulette! Ces ténèbres sont en train de vous prendre! J'ai le royaume Terre. À terre! Vous faites fausse route! Ce n'est pas Scorpion, notre ennemi, cette fois! Liu Kang, ne t'en mêle pas! Fight! Sécurité n'est pas assurée. J'ai pas bougé. Pour les défendre, je dois veiller sur l'ordre. Je ne voulais pas y croire. Mais les revenants disaient vrai. On ne peut pas vous faire confiance. Je n'ai pas besoin de confiance. J'exige votre obéissance. Vos délires n'ont que trop duré. Si vous devez mourir, alors mourrez. C'est... Ça s'est déjà produit. Ne t'en mêle pas! Tu ne peux pas combattre Shao Kahn! Liu Kang, arrête! Vos délires n'ont que trop duré! Si vous devez mourir, alors mourrez! Et il a changé de tenue? J'ai été stupide, Liu Kang. Kronika m'a berné. Nous nous battons car c'est ce qu'elle souhaite. Il faut que je l'aide.
eu tort de douter de vous. Je connais cette colère qui rend esclave. Seigneur Raiden, je ne vous comprends pas. Votre rage était l'œuvre de Kronika ? Oui. J'ai succombé à son influence. Seulement, notre confrontation a ravivé des souvenirs. Des souvenirs issus de notre continuum, mais aussi d'autres continuums précédents. Hola, hola, des continuums ? Au pluriel ? Oui, Kronika a redémarré l'histoire à d'innombrables reprises. Elle profite de chaque continuum pour perfectionner son plan. Les détails de chaque continuum diffèrent, mais à chaque fois, les événements débouchent sur un conflit entre moi et Liu Kang. Et à chaque fois, il meurt. Seule Kronika a la puissance de contrôler le temps et le destin. Je pige pas. Dans quel but ? Ça, je ne sais pas. Mais je vous le promets, nous ne serons plus les pantins de Kronika. Cherche pas la blonde. Finalement, tu aperçois les ficelles. Les ficelles, mais pas l'objectif. Pourquoi m'opposer à Liu Kang ? Ça ne te saute pas aux yeux ? Vos pouvoirs combinés menacent ma vision du continuum. Liu Kang et moi, nous ne nous laisserons plus diviser par vos machinations. Oh, Raiden. Tu crois que c'est la première fois que tu fais ce serment ? Nous avons répété tant de fois cette conversation dans tellement de continuums que j'ai cessé de compter. Ce continuum-ci se terminera autrement. Nous avons épuisé tous les scénarios possibles, Raiden. Tu ne peux pas gagner. Tu as le droit d'essayer, bien sûr. En revanche, tu devras faire sans Liu Kang. Profite de tes dernières heures, Raiden. C'est tout ce qu'il te reste. Liu Kang. Où est-il ? Kronika l'a emmené sur son île. Nous devons partir. Pour sauver les royaumes, il faut sauver Liu Kang. Oulala, synchro. Oulala, elle est partie au ski. Rien pour moi ? Non, fallait pas. Qu'est-ce que vous me voulez ? Tu contribueras à ma protection. Ça m'étonnerait. Je maîtrise la sorcellerie de Shinnok. Je vais fusionner ton âme avec la mienne. Et là, enfin, je prendrai ma revanche sur Raiden. Mes amis, les armées de Raiden arrivent. Elles vont nous affronter et elles vont perdre. Ça, c'est de la cinématique, quoi. Tu m'étonnes, il a mis une heure pour l'installer. 60 gigas. Se trouve derrière le brouillard. Moi aussi j'aime les femmes à moustache.
La moustache. Mes navires ne peuvent pas combattre. Cette flotte est sous ma protection, Caron. Si Caron tombe, notre flotte ne peut naviguer. Protégez-le coûte que coûte. Percutez-les! Me battre, mais il le faut. Pour le bien de Jackie et pour le mien. Fight. Les promesses faites par Kronika vous ont cruellement trompé. Elle est la mère de Shinnok, celui qui a fait de vous un esclave revenant. Mais... non. Elle est la mère de Cétrion. Et Cétrion est la sœur de Shinnok. Dans le projet de Kronika, les ténèbres de Shinnok répondraient à la lumière de Cétrion. Ce qui arrivera uniquement si les royaumes continuent de se battre. Qu'est-ce que j'ai fait? Quel idiot!
Ce n'est pas idiot de combattre pour le sort de sa famille. Désolé, Raiden. Je promets de me rattraper. Défaite est impossible. La tienne, inévitable. Fight. Il est pas content. J'en ai assez de tes simagrées. Vraiment dommage pour toi. La mer de sang n'a pas de fond. Tu couleras pour l'éternité. Ai-je toute ton attention, Raiden ? Je contrôle les guerriers qui sont en train de saborder ta flotte. Tu as eu tort de pactiser avec Kronika, Frost. Toute ma vie, tu n'as fait que m'ignorer. Kronika, elle, a vu mon talent d'entrée de jeu. Fight. Yeah.
coucher, pas belle. Quelle vilaine. Tout ce potentiel caché. Elle aurait pu faire des merveilles à la tête de ces cyber-Linkway. C'est elle qui commande, pas Sector. Si c'est vrai, elle est liée à eux. Ils suivent ses pensées. Alors qu'ils la suivent jusqu'à sa défaite. L'armée chargée de défendre le rivage. Où seras-tu ? Dans ton cul. Oh bon, c'est quelqu'un qui regarde. Entreprise, les plans de Kronika nous ont dressés l'un contre l'autre. Ce cycle doit cesser, Liu Kang. Cette fois, je m'en charge. Bibis Kronika Smart. Fucking Kronika Smart. Tu as même volé ta propre. Je vais la smoke, la Kronika. Une leçon que tu m'as enseignée, Raiden. Combattre mes ennemis par tous les moyens nécessaires. Fight. Calme-toi, René, calme-toi. J'ai pris le dessus sur les ténèbres en moi. Et tu dois faire de même. Pour ça, tu devras me tuer.
Je préfère être sauvé. Pikachu. Au boucher les boomers. Qui est trop bien pour elle. Mon jumeau revenant. J'ai absorbé. Ouh là là, la synchronisation. La mise à jour, elle a pas bien été installée. Du désespoir naît l'inventivité. Je n'aurais pas cru que Raiden puisse me surprendre. Notre réussite. Je suis Geneviève de Fontenay. Nous devons faire vite. Et je vais te soulever. Je vais caner. Le remix. Elle est où la bagarre? On veut la bagarre là. Putain, il y a un morceau de mon mur qui vient de tomber par terre les gars. Faites des dons.
Je suis surtout désolé, Jackie. Et ouais, bordel, je suis de retour. La moustache. Avons-nous perdu la bataille? La victoire reste à portée de main. Le sablier est pratiquement prêt. Vous allez empêcher Liu Kang d'interférer. Mais vous aurez besoin de plus de renforts. Quoi qu'il advienne, je suis honoré de combattre à vos côtés. Moi aussi, Liu Kang. Moi aussi, mon frère. Que les dieux anciens nous protègent. Un garçon love for dog life.
toujours là pour lutter. Achevez-le! Jinsei du royaume Terre ruisselle en toi. Laisse-le nourrir ton feu. Hyuken! Je ne veux pas vous faire de mal. Ah, dégueulasse. Qu'est-ce que c'est? Sale bête. Une erreur que je ne compte pas reproduire dans le nouvel âge. Fight. Dans ta bouche. Notre lien n'avait rien d'une erreur. Ton ego est sans limite. Je n'ai pas demandé tout ça. Ça m'est tombé dessus. Ça aurait dû être moi, Liu Kang, depuis le début. Mais tout va se régler grâce à Kronika. Fight. Thank you.
Rika. Tu as raison de craindre mes pouvoirs combinés à ceux de Raiden. Les pouvoirs d'un demi-dieu ne rivalisent pas avec une déesse ancienne. Fuis, Trion ! Comme vous voudrez, mère. Tu m'égales en tout point. Parce que tu n'as aucun désir de combattre ces triomphes. Tu luttes pour la vision de ta mère. Mais en parangon de vertu, tu sais que son désir d'équilibre est absurde. Écoute-moi, Cétrion. Il ne comprend rien à notre vision. Je t'en prie. Il n'y a rien de vertueux à plonger les royaumes dans une guerre sans fin. Ma plus grande vertu est d'accomplir la volonté de ma mère. Je ne la décevrai pas. Fight. Crasseuse. Cœur te trahit, Cétrion. Va te laver. Je vous ai déçu. Ma chère Cétrion, tu t'es admirablement battue. C'est un mauvais jeu de mots. Mais il te reste un dernier service à me rendre. Oui, mère. Je comprends. Yeah.
destinée, Liu Kang. Mais Raiden a fait de toi un immortel. Je vais devoir te régler ton compte. Fight. Conquer. Story, Part 1, Chapter 12, End of an Era. I have failed you, dearest Cetrion. You have done admirably. Yet there is one There is only the new era! Fight! Yeah.
Now you cannot be ignored. Fight! There is only the new era! Fight! Now you cannot be ignored. Fight! Conquer. Story. Conquer. Story. Part 1. Chapter 12. End of an era. I have failed you, dearest Cetrion. You have done admirably. Yet there is one final service to perform. Yes, Mother. I understand. There is only the new era! Fight! Let's go.
The realms will not fight your endless wars. Fight me further and your friends are lost. They have no future unless I create it. The future you offer is not worth living. It will not come to pass. Fight. Captain Dubois. Our work is finished, Liu Kang. Lord Raiden. I am merely Raiden now. You have proven worthy to take my place as Earthrealm's new protector, Lord Liu Kang. Where do we go from here? The sands of time are yours to shape. You must return the hourglass to the dawn of time and sculpt a new history. A better one. The fate of all realms in my hands? Raiden, I cannot do this alone. Yes. You will need a partner with whom you can share the eons. Kitana. Your destinies have always been intertwined. We are far in the past. But not so far that I cannot reach her. Return with her to the dawn of time. Sculpt the hourglass's sands to forge a better future. I look forward to meeting again in the next timeline. Then I will not say goodbye. Ils sont plus sérieux en anglais quand même. Are you ready? Yes. But no matter how we sculpt the sands, we cannot plan for every possibility. Mortals will make their own choices. New evils will arise. Each realm must choose its own destiny. Whatever those choices, we will face them together. Ah, c'est beau l'amour. Il fait que heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bisous. Kitana, je t'aime, épouse-moi. Ouh là là, dope shit, le son, boubou. Bienvenue à Mugeland. Tout le monde s'en bat les couilles.
Merci à Amour, Gloire et Strike, à Jacqueline Rose 9, à Mundaneontologim, à Foutcédric Segamer. Merci à vous tous. Allez, ciao, à plus. PS, je vends un Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 version avec mise à jour PS5 gratuite sur Marseille si ça intéresse quelqu'un les gars. Allez, ciao. Bisous.
story. Conquer.